Bonjour à tous. Pierre Légaré, hélas, vient de disparaître. C'est un comique, un humoriste québécois qui a animé pendant un certain temps. Il venait souvent à France Inter. Il est dans la veine de l'humour un petit peu absurde, genre Pierre Dac. En voici quelques exemples. J'ai pas l'accent québécois, je peux pas le prendre. J'y arrive pas. Pourtant, hein. Si tu parles à ton eau de Javel pendant que tu fais la lessive, elle est moins concentrée. Si tu trouves que tu parais mieux en vieillissant, n'oublie pas qu'en vieillissant, ta vue baisse. Dans ton bureau, si tu as un diplôme, tu as l'air intelligent. Si tu as un climatiseur, tu as l'air conditionné. Dans les magasins de bikini, on ne voit pas de calendrier avec des photos de garage. Quand le douanier te demande d'où tu viens, tu peux répondre d'un utérus. Mais il ne faut pas que tu aies grand-chose, quelque chose d'urgent à faire ce jour-là. Si tu mets toujours un journal au fond de la cage de ta perruche, il se peut que ta perruche te regarde avec un drôle d'air quand elle te voit lire le journal. Pour une bonne vision, encore mieux que les carottes, les lentilles. Les fusées spatiales, ça coûte des millions, des centaines de millions, et il n'y a même pas de klaxon. S'il n'y a pas de trou dans tes chaussettes, tu ne peux pas les mettre. Depuis le temps que le gouvernement s'attaque au chômage avec les résultats que l'on sait, il devrait essayer de s'attaquer à l'emploi. Si on commence à dire qu'on en a ras-le-bol des taxes, le gouvernement va taxer les bols. Les hiboux qui disaient quoi? Et pourquoi? Ont tous disparu. Il ne reste plus que ceux qui disent où, où. Avant les dinosaures, il y avait les déjeunosaures. Quand elles se croient suffisamment loin de la ruche, les abeilles parlent de la reine en la nommant la grosse, la grosse. Ça ne porte pas malheur si tu passes en dessous d'un chat noir, mais il y a presque personne qui le sait. Il est de très mauvais goût de célébrer Jeanne d'Arc par un méchoui. La peur des piqûres, ça ne peut pas se guérir par l'acupuncture. Il y a 500 ans, les poissons rouges croyez que le bocal était plat. Une façon simple de remercier un pêcheur qui vient de nous sauver de la noyade et de le laisser nous peser. Si on tire rapidement la bandelette enveloppant une momie, on peut la faire redémarrer. Je change de page. Une pelure de banane sur un trottoir verglacé, ça ne s'annule pas. Ça n'annule pas. Le produit le plus efficace pour arrêter de fumer, c'est le gaz. Perdu au milieu du désert, c'est important d'avoir des pensées positives. Au moins, c'est pas du sable mouvant. Un bon truc pour paraître plus jeune, c'est de te vieillir de 10 ans quand tu as dit ton âge, quand tu dis ton âge. Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat à saveur de souris? Ça, c'est une question primordiale. Pourquoi abréviation est-il un mot si long? Aux États-Unis, dans les mariages,
les personnes lancent du riz. En Chine, lancent-ils des hamburgers? Un cabinet de gynécologue qui s'appelle Chez Bébert, on hésite à y aller. Chez les nudistes, les joueurs de foot doivent être attentifs, car les équipes se distinguent uniquement par la couleur des poils. Si tu es mime, tu peux faire de la radio, mais il faut savoir faire autre chose. Si on approche un coquillage de son oreille, le coquillage entend le bruit, un bruit de cire. Les daltoniens sont incapables de voir la mer rouge. Quand les tomates amènent leurs enfants voir un film, elles leur disent: c'est pas du vrai jus, c'est juste du sang. Parmi les idées rapidement abandonnées, le boomerang atomique. Si t'es un nain, tu peux faire ton bonsaï généalogique. Si tu parles à ton eau de Javel, mais ça c'est déjà dit, elle est moins concentrée. Si tu veux jouer à reculons, si tu fais jouer à reculons la vidéo d'un incendie, les pompiers n'ont vraiment pas le beau rôle. La roue fut une invention majeure aussi pour le pan. Pour déterminer le nombre total de grains de sable du Sahara, il est important de choisir un après-midi sans vent. Faire semblant d'être hypocrite, c'est encore pire. Je change de page. Ça, c'est pas une blague, hein. Ça vient? Oui, ça vient. Mais non, ça vient pas. Alors quoi? Il n'y a pas d'autre page? Dame Ned. Oh là là, allez! Quand un policier tue une mouche, il en trace toujours le contour à la craie. Le capitaine Crochet écrivait en braille: si tu dors et tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois pour te lever. En semant des glaçons, non seulement tu peux faire pousser de l'eau, mais t'as même plus besoin d'arroser. Si on intervertit ses chaussures, on peut quand même laisser des traces normales. Si on marche en croisant, si on marche en croisant les jambes, tu peux entraîner ton chat à rapporter un bâton, mais c'est plus simple d'entraîner le bâton. Dans les annonces de couches, comment ça se fait que le docteur dit rien quand il voit que le pipi du bébé est bleu? La peur des piqûres, je l'ai déjà dit, ça ne se guérit pas par l'acupuncture. Si tu donnes un prénom composé à ton enfant, ça lui coûte plus cher de stylos dans sa vie. Chez les tortues, le numéro d'humour le plus répandu est celui d'imitation du bol renversé. Si tu as les pieds plats, tu peux faire du ski, mais c'est mieux d'en avoir quand même des skis. Il y a beaucoup de remèdes pour lesquels on ne connaît pas la maladie. Les abeilles trouvent que les fourmis se ressemblent toutes, et bien sûr, c'est réciproque. Dans les films, les gens trouvent toujours une place pour garer leur voiture. Quand tu cherches une place, filme-toi. Quand un chien voit passer une voiture montée sur une dépanneuse, ils pensent qu'ils sont en train de faire des petites voitures. Avant de dire à leur femme qu'elles ont une belle robe, les œnologues en déchirent un morceau, le mastiquent et le recrachent. Si tu approches de ton oreille le homard dans ton assiette, tu vas entendre la mer, mais bouillie. Eh ben voilà, ça fait 9 minutes 34. 9 minutes 34 de bonheur, en tout cas pour moi. À bientôt. Je ne suis pas du tout pour la politique. Hein. Là, je fais ça en plus pour faire rire une amie, une très jolie et belle amie. Hasta la Victoria.